Merci de nous rejoindre aux 13h30 sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise. Vous le savez, l'actualité reste dominée par la campagne électorale. Et pour le numéro 20 dans la province du Haut-Katanga, les préparatifs évoluent normalement à Lubumbashi. La population a salué certaines réalisations du candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de la réhabilitation de la chaussée Fatshi-Béton et de la construction du nouveau bâtiments devront abriter l'Assemblée provinciale. C'est un reportage de Jean-Pierre Kibambe Somoïsa. Nous sommes à Lubumbashi sur l'ex-chaussée de Kasenga reliant le centre-ville aux communes de Kampemba et de la Rwashi. L'ex-chaussée de Kasenga en dégradation très avancée a été débaptisée boulevard Fatshi au terme de grands travaux de modernisation de cette artère principale par l'exécutif provincial dans le cadre du programme de développement de la RDC impulsé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis chaussé, je suis allé à Kokufwa, mais le loyo, le mandat président Abisso Fatshi Béton, a bombé sans zéla, je suis allé à Château, je suis allé à quitter. Mais le mandat président Abisso, notre président Fatshi Béton, depuis Fatshi a sali biso nzela oyo na minute oyo makambo ya bambote ya jeza ezate kozo tambula bien. Depuis le kwaka boulevard Fatshi Béton, boulevard Tshilombo, en tout cas tunaona ke kuna kwa amélioration mo hivi. Kile tutalomba gouvernement continue kutufanyisha kwa mabintu vya hivi, antoka ite tufaire plaisir sana. Yeye ujuu yanangwa mutini muji uchoka. Le boulevard Fatshi est parmi les principales artères réhabilitées par le gouvernement provincial Jacques Kyabula et qui font la fierté de la ville de Lubumbashi, des acquis à consolider comme l'ont attesté ces cyclistes parcourant les avenues avec des pancartes à l'effigie du candidat numéro 20. À côté du bâtiment du 30 juin, un immeuble gigantesque de 4 niveaux vient de sortir des terres. Il s'agit du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Nous sommes sur le site de l'Assemblée provinciale. C'est M. le Président qui était venu nous donner les travaux. Hein? Il était venu avec le gouverneur Jacques Kyabula, il nous a donné des travaux de construire encore le siège de l'Assemblée provinciale. Arrivé à Président Fatshi, fallait Arkouya Mulbumbashi. Joe Arkouya Nangaria, Assemblée provinciale à Mulbumbashi, donc on croit un peu qu'il est au Joe Anenda a lancé des travaux. On a seulement à Pana, il faut qu'il y ait Assemblée provinciale, il y a bien, il y a Mounene. Pour que Bantu Kambe la Fania Maragnon va se sentir beaucoup à l'aise, beaucoup libre. Je vois le gouverneur Wetu, Jacques Kyabula Kate. Je vois que Kambia y marche, puis il gouverneur et l'Assemblée provinciale. Le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, encore une des réalisations de Fatshi Béton, appréciée à sa juste valeur à Lubumbashi. Le chef de l'État a tenu à ce que le Parlement provincial de cette province du Grand Katanga soit doté de son propre siège où le président de l'Assemblée provinciale et tous les députés provinciaux disposent chacun d'un bureau pour le bon fonctionnement de la chambre basse du Parlement provincial. Revenons à Kinshasa pour se rendre à l'Assemblée nationale où les directeurs centraux ont reçu hier vendredi 1er décembre 2023 des véhicules 4x4 et des bus Pimpon 9. Pour faciliter leur mobilité, il s'agit d'une dotation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. On fait le point avec Robert Ndaichi Sensei. La cérémonie est brève mais pleine de signification pour ces cadres de commandement de l'Assemblée nationale qui viennent de recevoir ce 1er décembre 2023 des véhicules 4x4 pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Trois temps forts
ont marqué cette brève cérémonie, les mots du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a remercié le bureau Mbosso pour ce geste qui restera gravé dans les annales de l'Assemblée nationale. Ensuite, la remise de clé au directeur et les mots du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, qui a salué ces gestes, mais aussi signifié que ces chars automobiles visent à renforcer l'administration de l'Assemblée nationale. Ces véhicules 4x4, pimpants neufs, permettront aux directeurs d'assurer leur mobilité sur les terrains pour une administration efficace. Il nous faut remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui tient absolument à l'amélioration des conditions de travail des membres de l'Assemblée nationale. Mais on sait aussi que les députés nationaux ne pouvaient pas réaliser ce qu'ils ont pu réaliser au cours de la législature sans l'intervention des directeurs dont vous êtes. Les bénéficiaires, eux, ne cachent pas leurs sentiments. C'est un grand jour pour les parlements de la République démocratique du Congo. Ça peut être qu'un message de satisfaction, des réjouissances, tout en reconnaissant ce bienfait de la part de l'autorité. Je ne peux que dire merci. On remercie le président de l'Assemblée nationale ainsi que ses collaborateurs, d'abord pour le choix de véhicules. Et merci parce que ça nous facilite la tâche. Depuis un certain temps, les directeurs, cadres de l'administration, pour les difficultés pour le déplacement. Et il fallait vite penser pour leur trouver un moyen de transport qui peut permettre facilement d'atteindre le lieu de service. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, a invité les bénéficiaires à utiliser ces chars automobiles à mon père de famille. Campagne électorale. Le candidat numéro 2 à la présidentielle de 2023, Constant Mutamba, était à Kisangani. Après le grand bandondo, Constant Mutamba, qui porte les couleurs de l'opposition républicaine, a communié en tant que candidat président avec la population boyomaise. C'est un commentaire de Cédric Nenambo. Il incarne l'espoir de la jeunesse, une énergie nouvelle. Poursuivant son périple électoral, Maître Constant Mutamba, candidat numéro 2 à la magistrature suprême, l'homme qu'on appelle de la rupture, à la course pour le compte de l'opposition républicaine, a foulé les sols de la ville de Kisangani, province de la Tshopo. Un carton plein, l'expression visuelle porte témoignage en immortalisant l'instant d'une communion parfaite. Aussitôt arrivé, le président de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine s'est adressé à la population venue des quatre coins de Kisangani à l'espace Bolongui. L'homme de la rupture a circonscrit son discours sur le changement. Jeune, votez jeune. Changement à tous les niveaux sociopolitiques. Pour l'émergence d'une nouvelle classe politique, Constant Mutamba, candidat de l'opposition, a appelé au cours de son adresse les jeunes à promouvoir également la paix et à se choisir des candidats jeunes pour espérer, a-t-il dit, un changement sur la gouvernance. Et en outre, il a insisté sur la vigilance pendant cette période électorale. Et puis, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, a rendu publique la liste des membres de la campagne de l'Union sacrée pour la victoire du numéro 20 le 20 décembre 2023. On en parle avec Robert Ndaye. Conférence de presse de clarification sur les bilans du candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant la presse locale. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, salue l'adhésion massive de la population à leur leader et candidat numéro 20 aux élections du 20 décembre. Les tournées du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo démontre massivement que le 20 décembre, c'est une victoire confirmée. La grande annonce, c'est la publication de l'équipe de campagne à travers l'ensemble du pays pour les comptes de l'Union sacrée de la Nation. Désormais, tous doivent mouiller les maillots pour battre campagne pour le candidat numéro 20. Au nom de l'Union sacrée, de la haute autorité politique et du Présidium, je sais que les membres du Présidium sont sur le terrain, je les salue là où ils sont, pour assurer la victoire massive et incontestable de l'Union sacrée,
tous sont sur le terrain et partout dans le pays. On va publier la liste, la composition des équipes de l'Union Sacrée pour la campagne présidentielle. On ne veut pas de désordre dans ces questions-là. Les équipes de l'Union Sacrée de la Nation seront annoncées, elles vont travailler de façon collégiale parce que nous avons un seul candidat. Il n'y a pas de dispute entre nous. Tous, nous devons travailler collégialement et ensemble pour faire gagner notre candidat. J'ai rappelé que chaque, en vertu des engagements que nous avons pris, je comprends ceux qui avaient fait des affiches avant. Sinon, on doit les retoucher. Nos affiches doivent comporter obligatoirement la photo de notre candidat président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan du bilan, André Mbatabe Tukume Soumangou a dit toute sa joie de dire que le président candidat a un bilan à présenter au peuple congolais sur le plan de la santé, éducation, infrastructure et diplomatie. À propos du retrait de la mission d'observation de l'Union européenne, le secrétaire permanent est clair, la RDC est un pays souverain et régi par les lois et chaque partenaire doit suivre la constitution de la République démocratique du Congo. À 19 jours des élections du 20 décembre, le prof André Mbatabe Tukume Sou se félicite que les élections se tiendront dans le délai constitutionnel, une première et une honte pour les pêcheurs à nos troubles. Tous doivent se rendre aux urnes le mercredi 20 décembre pour voter le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des prières pour la paix et pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été dites par la communauté musulmane. C'était à la mosquée Sitas dans la commune de Barumbu. Tous les imams et les musulmans se sont réunis dans ce lieu de culte pour une sensibilisation à voter pour le candidat numéro 20 aux élections présidentielles du 20 décembre prochain. Une initiative de Madame Aminata Kassa. Reportage. Message de soutien des élites musulmanes en République démocratique du Congo à la candidature du président de la République démocratique du Congo, Fatih Beton, numéro 20 au scrutin de 2023 pour les élections du 20 décembre 2023. Nous, musulmans en République démocratique du Congo, composés des musulmans professeurs des universités et leaders musulmans toutes tendances confondues, réunis en ce jour particulier de l'histoire de notre pays, au nom des musulmanes et musulmans citoyens de ce pays, déclarons ce qui suit. Primo, le président de la République a eu à proposer à la nation entière deux choix. Recommencer à zéro ou alors consolider les acquis. Ainsi donc, nous, élites musulmanes en République démocratique du Congo, avons décidé de consolider les acquis de la République en général, ainsi que ceux de l'émergence de notre communauté musulmane en particulier. La communauté musulmane ne transigera guère sur la question de notre souveraineté, acquis existentiel et principal à consolider à tout prix. Secundo, saluons et remercions infiniment les chefs de l'État pour les prouesses enregistrées depuis son accession à la magistrature suprême, notamment sur la question de l'insécurité dans l'est du pays, la gratuité de l'enseignement ainsi que celle de la maternité, la redynamisation de l'IGF et la création de la classe moyenne congolaise à travers l'ARSP, etc. Très chères sœurs et frères en islam, quels acquis meilleurs pour nous, notamment l'élan de la création des ambassades et signature des contrats de développement socio-économique entre la République démocratique du Congo et les pays musulmans. L'officialisation future des jours de la Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha comme fériés en République démocratique du Congo. Et les bons offices, sans les oublier, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la résolution des conflits calamités au sein de la Comico, eu égard à ce qui précède. Nous, musulmans en République démocratique du Congo, avons décidé d'encourager les acteurs politiques en appelant à la mobilisation générale de tous les musulmans quant à la consolidation de la paix, l'unité et la cohésion nationale avant et après le 20 décembre 2023. De mobiliser et sensibiliser les musulmans sur le territoire national à la victoire sans résistance du candidat numéro 20 le 20 décembre 2023, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse la RDC et qu'Allah aide à ce que sa communauté émerge, Inch'Allah.
Tout à fait autre chose. À présent, pour appuyer la maternité gratuite dont les camps militaires, le conseil principal du chef de l'État en charge de la santé universelle, ainsi que le directeur général de fonds de promotion de la santé, a remis des médicaments et matériels sanitaires dans le camp Tchatchi, camp Seta, camp Lufungula, ainsi que au camp Kokolo. C'est un reportage de Chimène Dondo. L'offre de soins de santé de qualité dans le cadre de la couverture santé universelle est une urgence pour le coordonnateur de la couverture santé universelle, Polydor Mbongani Kabila, car c'est une ferme volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Trois hôpitaux généraux de référence sont bénéficiaires d'une dotation en matériel pour le renforcement de leur plateau technique. Acteur majeur dans cette amélioration de l'offre de soins de santé, le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Mika Marius Niembo, ne s'est pas empêché d'être présent au moment de cette remise des matériels et médicaments de qualité à l'hôpital de référence du camp Kokolo. Un exercice auquel le coordonnateur de la CSU, Polydor Mbongani, s'était déjà livré à l'hôpital du camp Tchatchi récemment. Il y a ce besoin de donner des équipements pour améliorer la qualité, de manière à ce qu'au-delà de la gratuité elle-même, qui est donc la protection financière, il y a ce côté du renforcement de la qualité qui est important et qui a été donc effectué aujourd'hui avec ce don en équipement médical. Une présence justifiée pour le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Mika Marius Niembo, qui s'était fait accompagner de son directeur général adjoint. Nous avons travaillé dans une synergie qui a produit des résultats. Aujourd'hui, le besoin qu'ils ont exprimé, nous avons pu doter ces formations sanitaires spéciales des matériels et des médicaments pour booster la prise en charge et ainsi améliorer le plateau technique. Ce n'est pas terminé, nous allons continuer ce travail. Le président de la République a donné le temps, le gouvernement a disponibilisé les moyens et la coordination ainsi que notre ministre des tutelles nous ont donné des orientations pour travailler. Une coordination des mouvements CSU, FPS qui augure des lendemains meilleurs pour les secteurs de la santé publique en République démocratique du Congo. Santé toujours, le monde célèbre le 1er décembre de chaque année la journée mondiale du sida. Cette journée permet de manifester son soutien aux personnes vivant avec le VIH et de se rappeler des nombreuses personnes décédées de suite de cette maladie depuis 1980. En République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Santé, Dr Olen, a lancé les activités. Chimène Dondo. Le monde entier a célébré ce vendredi 1er décembre 2023 la journée mondiale de sida sous le thème « Confier le leadership aux communautés à Kinshasa ». C'est le vice-ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, le docteur Serge Emmanuel Olen, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au lancement des activités liées à la célébration de cette 35e édition au siège du programme national multisectoriel de lutte contre les sida. Sur le plan national, les thèmes choisis est ensemble pour le renforcement de leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030. Le vice-ministre de la Santé a salué la mobilisation des acteurs de lutte contre le sida et son engagement pris du haut de la tribune des Nations Unies lors de l'Assemblée générale de 2021 à mettre fin à cette pandémie du sida à l'horizon 2030. Ce terme est une grande interpellation, car dit-on, tout ce que nous faisons sans la communauté est contre la communauté. Nous devons se faire renforcer le leadership de la communauté, chacun dans sa sphère de responsabilité, pour son fonctionnement et engagement optimaux dans la riposte à cette pandémie et de permettre à tous d'adopter un comportement responsable. Conformément aux objectifs de millénaire dans les contextes de la couverture santé universelle mise en marche en RDC. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement et aux partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies pour qu'elles soient dotées de moyens conséquents pour une meilleure sensibilisation afin d'éradiquer cette maladie. À Chikapa, la division provinciale de la santé du Kasaï organise un atelier d'évaluation du plan provincial de communication sur la santé de reproduction et la planification familiale.
et ce avec l'appui technique et les financements du programme multisectoriel de nutrition et santé. C'est un reportage de Franklin et Claire Calombo. Sous le haut patronage du ministère national de la santé publique, hygiène et prévention, la division provinciale de la santé du Kasaï, avec l'appui du projet PMNS, organise un atelier de 3 jours au chapiteau de l'espace Voulé dans le but d'évaluer le plan provincial de communication sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Dr Davis Kabongo, project manager du projet PMNS au Kasaï, en donne la lumière. Je m'attends à avoir un plan de redressement. Un plan de redressement qui sortira de l'évaluation. Notez, nous avons fait le plan ensemble. Donc nous l'évaluons ensemble. On va découvrir les forces et les faiblesses, bien entendu. De ces faiblesses-là, on va chercher à les améliorer de manière consensuelle, participative, ensemble avec toutes les parties prenantes. Docteur Selim Mamba est représentant du chef de la DPS Kasaï. Ce projet étant venu pour appuyer les activités de planification familiale, vous conviendrez avec moi que c'est un projet qui va contribuer à la lutte contre la malnutrition dans notre province pour que nous puissions sortir du lot de toutes ces provinces qui ont un taux élevé de malnutrition. Notons que la délégation des Task Force Communication Nationale, le membre des différentes organisations humanitaires, les spécialistes en communication prennent part à cet atelier d'évaluation du plan provincial de communication animé par Lambert Losambe, expert en communication en santé. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Uele pour parler de la célébration du 59e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie Clémentine Nengapeta Anuarité. Présent à cette célébration, le chef de l'État, candidat numéro 20, a remis une Jeep et des biens en espèces au corps ecclésiastique. C'est un reportage de Damas Essole-Kessole. Les solennités du 59e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarité Nengapeta, célébrée ce vendredi 1er décembre 2023 à son sanctuaire national dans une eucharistie présidée par Mgr Marcel Outembitapa de l'archidiocèse de Kisangani, devant des milliers de pèlerins venus de partout, ont été marqués par la remise des 2 cadeaux alléchants du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de passage à Isiro la veille. Il s'agit du Jeep Land Cruiser 4x4 pépin neuf pour la mobilité du recteur du sanctuaire et d'une somme de 100 000 dollars américains pour les travaux de construction de la basilique en prévision de sa canonisation par le Saint-Père. Le gouverneur Christophe Bassianang, qui remet ses dons, remercie sa population pour l'accueil délirant réservé au président de la République avant d'en appeler à l'unité et à la solidarité entre fils et filles du Haut-Uele pour le grand bonheur de son développement. Il promet même de s'impliquer davantage dans les préparatifs de la célébration du 60e anniversaire de l'année prochaine, celle-ci étant déclarée par l'Église l'année de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarité. Au Kasaï central, le gouverneur s'est rendu à Luisa pour inaugurer le bâtiment de l'inspection générale de l'éducation. Reportage. La population du territoire de Luisa a été suffisamment sensibilisée ce mercredi 29 novembre 2023 par le gouverneur de province John Kabeya Shekai pour aller massivement aux urnes le 20 décembre prochain afin de donner une large majorité et un second mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Une population qui s'est dite prête à voter utile en faveur de leur candidat président de la République numéro 20, unique façon pour saluer son dévouement, sa détermination et son engagement à redorer le blason de la RDC, terni par plusieurs décennies d'instabilité. Candidat
Avant de quitter Luisa, le jeudi 30 novembre, John Kabeya Shikaya a visité l'hôpital général des références de Luisa pour s'imprégner des conditions d'internement des patients qu'il a réconfortés par son passage, mais aussi le numéro 1 du Kassai Central a inauguré le bâtiment administratif de l'EPST province éducationnelle Kassai Central 2, lequel abritera désormais tous les services de l'inspection provinciale à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous avions un besoin de bâtiments pour le bureau, parce que nous étions locataires. Je remercie les gouverneurs de province, je remercie les gouverneurs provinciaux pour tous ces autres bureaux. C'est vraiment le sentiment que nous avons à cet instant. Et dans la province du Kassai Tchikapa, nous allons parler de l'assainissement de l'administration publique. Une délégation du ministère de la fonction publique séjourne à Tchikapa où elle a procédé au contrôle et à l'identification des agents et fonctionnaires de l'État qui doivent recevoir des cartes biométriques, opération rendue possible avec l'appui technique et financier du projet encore. Franklin et Claire Kalombo, reportage. Le gouvernement congolais tient à réorganiser la fonction publique et sécuriser les agents et fonctionnaires de l'État dans la province du Kassai. C'est dans ce contexte que la délégation du ministère national des tutelles séjourne dans la ville de Tchikapa. Une campagne de sensibilisation est organisée à l'intention des chefs de division, chefs de bureau et informaticiens des différents services de l'État basés dans le chef-lieu de la province du Kassai par le projet Encore. Ceci constitue la deuxième vague des remises de la carte biométrique à chaque agent et fonctionnaire de l'État de la province du Kassai, selon le chef de division de la décentralisation. Oui, l'activité a réuni les chefs de division sous le haut patronage de la délégation de la fonction publique venue pour la deuxième vague de l'opération de la remise des cartes biométriques aux agents et fonctionnaires de la province du Kassai. Sincèrement, compte tenu de beaucoup d'habits constatés lors de la première vague, nous pensons que cette fois-ci, l'équipe qui est venue puisse corriger les erreurs de la fois passée. Cette opération permet de réparer les habits constatés lors de la première vague. Et puis, le Bureau conjoint des Nations Unies a organisé une session de formation des cadres et agents de l'administration publique, des travaux qui se tiennent du 1er au 12 décembre 2023 dans un partenariat gouvernement-système des Nations Unies. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Mamita Bongolo. En cette période électorale, il est impérieux que les uns et les autres adoptent des attitudes de tolérance et de paix. Ce qui justifie cette session destinée aux agents et cadres de l'administration publique et le personnel onusien. Il a rappelé ici le principe de neutralité des services publics face à toute manipulation d'opinion à des fins politiques. Le représentant du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Patrice Vahar, a déclaré que son institution accompagne les gouvernements congolais dans ses efforts de prévention aux violences. Cet atelier est né dans un esprit de promotion de la paix sociale et des institutions efficaces, de tolérance et d'inclusivité. Elle vise à mobiliser les services publics de l'État à la prévention, dans la lutte contre l'incitation à la haine et à l'extrémisme violent, notamment en cette période électorale. Le directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Benoît Patrice Toupa Kamango, a eu ces mots devant les participants. L'administration publique est le bras séculier de l'État. Sa cheville ouvrière est le nœud, la sentinelle de la préservation de l'intérêt général et de la sauvegarde de la continuité des services publics. L'administration publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Je déclare ouvert le séminaire de sensibilisation et de formation en faveur des cadres et agents de l'administration publique.
Après cette formation organisée avec l'appui de la MONUSCO dans les jours à venir, d'autres opportunités de partage et d'échanges riches et fructueux sont prévues. Et pour terminer, les chefs coutumiers du Congo central ont été sensibilisés sur un déroulement du processus électoral apaisé. Reportage. Content de l'attitude de la population et des acteurs politiques de la ville de Matadi, lors du passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, pour sa campagne électorale dans cette ville, les chefs coutumiers de quelques villages environnants de cette ville sont venus remercier le maire de la ville, Dominique Odiambété, pour l'accueil réservé à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sans incident. Nous sommes venus remercier l'autorité urbaine pour l'accueil triomphal du chef de l'État et l'encadrement de cet événement. C'est lui le policier qui veille sur notre vie. La vie de Matadi n'est pas un bien sans maître. Nous refusons l'incitation à la violence et la manipulation de la jeunesse pour semer les troubles pendant cette période à Matadi. Pour ce faire, nous demandons aux acteurs politiques d'œuvrer pour la paix dans notre ville. Ces autorités coutumières appellent la population et les acteurs politiques des Congo à observer ces mêmes comportements pendant cette période électorale. Ce journal est terminé. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Merci également à Nacha Kumpava et Ramadan qui ont procédé à la réalisation de ce journal. Grand merci à Jacques Awaba Mukumina Seduga qui l'a coordonné. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. À 19h, Peggy Mukunda va me relayer sur ce plateau. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Thank you.